6 ans, Lisette Furcat est encore très alerte. Pour rien au monde, elle ne partirait de chez elle. Pendant 3 mois, ses petits capteurs vont enregistrer tous ses mouvements et détecter la moindre anomalie. Si elle a l'habitude de passer 30 minutes dans son jardin et qu'un jour elle y passe beaucoup plus de temps, en 40, 50 minutes, une heure, là on le détecte, on voit que c'est une anomalie d'activité et on envoie un SMS à ses proches. Grâce à cette application, sa fille peut donc consulter à distance et à tout moment les déplacements de sa mère. Je vois qu'elle a fait, elle a dormi, elle a été 7 heures et quelques dans sa chambre, elle a resté dans la cuisine 50 minutes. Le reste du temps, elle était, j'imagine qu'elle était ici ou bien dehors dans le jardin. Donc s'il y a un gros problème, on m'appelle, puisqu'on est 4 à être sur une liste et à pouvoir communiquer. Moi, je trouve que c'est très rassurant. Elisette ne s'est aperçue de rien. La vieille dame n'a pas changé ses habitudes. Ah, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je fais comme s'il n'y était pas. Je vis normalement, j'y pense même pas. C'est cette jeune start-up toulousaine qui est à l'initiative du projet. Après seulement 2 ans d'existence, Télégraphique veut révolutionner le maintien de la personne à domicile. La télésurveillance classique existe depuis 30 ans maintenant. Donc c'est une technologie qui devient un peu obsolète dans la mesure où c'est inefficace puisque les personnes âgées ne le portent pas ou quand elles le portent, lorsqu'elles chutent, si elles font malaise, elles ne pourront jamais appuyer. Donc finalement, les services proposés par Télégraphique, c'est vraiment en complément de la téléassistance puisque certaines personnes le portent. Nous, ce qui est bien, les bénéfices, c'est que la personne n'a rien à porter sur elle. Elle vit comme d'habitude et c'est nous qui veillons sur elle. Grâce à ce système, les proches de Lisette sont rassurés et la vieille dame peut profiter encore longtemps de son jardin en toute sécurité.